Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo, ça sera pas super long. J'ai commandé, j'en ai eu la première et la deuxième. Là, je sais pas pourquoi, elles sont arrivées en quasiment une semaine d'intervalle, en deux étapes. Au début, je capotais un peu, j'étais comme, oh my god, ma boîte est super légère, il n'y a rien dedans. J'ai vu que c'était écrit ici, you have order. Your order has been split into several parcels. 1, 2, 2. Fait que je savais que j'aurais une deuxième boîte. Fait que c'est pour ça que j'ai attendu d'avoir les deux pour faire la vidéo. Ça vient de Loche, mais, comme vous voyez, Loche, mais de Londres. Parce qu'ils ont comme des produits qui sortent à peu près pendant un mois de temps. C'est des produits qui s'appellent Loche Lab. Anciennement, je pense qu'ils avaient la même formule, puis ils appelaient ça Loche Kitchen. C'est ça, c'est tout à des exclusivités. Tu as à peu près un mois pour les commander, puis si jamais ça vous intéresse, mais je vous conseille de sauter dessus, genre dès les premières journées qui sont sur le site, parce que ça passe super vite. C'est sûr que moi, si ça serait de moi, j'y commanderais tout, mais ça revient quand même cher. Je vais vous montrer. Dans ma deuxième boîte, j'ai commis la facture puis la commande. Puis moi, ça fait quelques fois qu'il y a des petites erreurs. Je ne sais pas si c'est des erreurs que quand moi je commande ou des erreurs que quand rendu là-bas. Sur ça, c'est tout le temps bon, mais tu sais, c'est pas. Il y a des affaires qui sont dessus que c'est pas ça que j'ai eu. Fait que. Puis là, regarde, moi, je fais souvent des commandes pour à peu près. Je vais juste cacher les infos, là, comme ça. Je fais souvent des commandes pour à peu près 100 $ en livres sterling. Puis moi, rendu au Québec avec la conversion, le shipping, les douanes, tout, ça me coûte tout le temps à peu près 3,30 $. Fait que je vous dis, c'est cher, là, pour. J'ai pas tant d'items. Je vais vous les compter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 items. Ça me coûte à peu près tout à 300. 3, un petit peu en haut de 300. Fait que faut vraiment que vraiment vous le vouliez. Mais moi, je suis tout le temps contente quand je le fais. Mais je sais ça, je peux pas le faire à toutes les fois qu'ils sortent des nouveaux produits parce que si je serais pauvre. Fait que je vais vous montrer la première boîte que j'ai eue. Ça, c'est une nouvelle bombe de bain que j'avais vue dans des vidéos sur Internet. Principalement, la première vidéo que j'ai vue, c'est la celle d'Ève Martel qui est allée au showcase. Puis j'avais demandé toute la question, est-ce que tu penses qu'il va en avoir de toutes les bombes que tu as vues au Québec? Elle m'avait dit peut-être celle-là. Puis justement, je ne sais pas si ça va sortir au Canada, mais je l'ai vu sur le Loche UK, fait que je l'ai commandé. Ici, comme ça, c'est The Goddess. Principal, je vous dis, là, moi, je capote pas tant sur l'odeur. Elle est super belle, par exemple. Elle est super belle, mais j'ai hâte d'avoir dans le bain, mais c'est pas tant une odeur que j'aime. J'en ai commandé deux. Il m'en a envoyé une de même, puis une dans le bas. Je l'ai mentionné, elle est super en bel état. Ça, là, des fois, là, quand je reçois des affaires du Loche UK, c'est tout brisé, là. Je suis assez contente parce qu'elle est quand même vraiment en bon état. Les autres affaires que j'ai commandées, je voulais sortir les trois en même temps. J'ai commandé des pains shampoings. C'est là-dessus que j'étais un peu triste parce que j'en ai reçu que pas les bons. J'ai eu ces trois-là. Ils en ont sorti six. Puis moi, je voulais Coconut Rice. Ça, c'est correct. Ça, je l'ai eu. Je suis contente. Puis là, j'ai rien que les feuilles, fait que je sais pas vraiment, mais je sais que for damage control for thick head, pour réparer dans le fond les dommages dans les cheveux. Et fait que elle, je suis contente parce qu'elle est super bonne. Angel Hair, me semble que je l'avais pas commandé, mais je suis quand même contente de l'avoir parce que je pense que c'est une des premières qui était BO. Fait que elle doit être super bonne. J'avais lu que c'était pour des shampoings très doux. Fait que je vais sûrement la faire utiliser tout pour mes enfants ou que des fois que je veux me laver les cheveux mais qu'ils sont pas tendus, je vais me faire un petit shampoing doux. Ça, c'est elle, je suis comme déçue. C'était pour les chauves, genre les messieurs pas de cheveux. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça. C'était pas celle-là que je voulais. Ben, ça, correct, là, mais je vais l'utiliser pareil, là, mais je vais sûrement l'utiliser justement pour. Un shampoing doux, parce que ça devait être plus des trucs hydratants pour la peau du crâne, dans le fond. C'est écrit, fait, tu sais, l'ingrédient principal, c'est du beurre de cacao, de l'huile de castor, de l'huile de cèdre, de l'huile de romarin. Ouais, elle fait très monsieur.
C'est vrai qu'elle a une odeur masculine, fait que ça, elle doit être quand même bonne pour les cheveux. Fait que, en tout cas, je la jetterai pas au prix, je l'ai payé. Fait que ça, c'est les trois pains shampoings que j'ai eus de la première commande. C'est pour ça que ma boîte était légère. Puis, j'ai eu des échantillons. Ça, je suis contente. Ils m'en ont envoyé qu'il y avait d'allô. Ça arrive dans un petit sac de même. Ça, il y a souvent, quand vous faites une commande, une case où ce qu'on peut écrire comme quelque chose, une case genre de suggestion. Vous pouvez écrire Send me a few samples, please. Puis ils vont vous en envoyer, d'habitude, en envoyer 5. Ouais, c'est ça que j'ai eu. Fait que j'ai eu le Naked Shower Ectoplasm. Ça, je suis contente, je ne les avais pas, les Naked. J'ai eu le Cinder. Puis j'ai eu le Snow Fairy. Comme ça. Ça, c'est comme des savons, dans le fond, mais c'est du gel douche solide qu'ils appellent. Fait que c'est censé super bien mousser. Fait que j'ai très hâte de les essayer. J'ai eu le Shower Cream Lord of Misrule. Là, la texture est bizarre, il me semble. C'est un petit peu plus liquide que ça. C'est très. Je vais l'éloigner comme ça avec la lumière. C'est très vert. C'est vert comme couleur gouache. Je l'avais déjà, justement. Lui, je l'ai fait venir du UK, la grosse bouteille. J'avais entendu dire qu'il sortirait au Canada dans le temps des fêtes. Ils l'ont pas sorti. Fait que je suis contente. Il m'en reste un petit peu de ma grosse bouteille. Puis ça. Je vais vous dire un petit cue, tout le monde. Si jamais ça vous intéresse d'en avoir au Canada, ben au Québec, ils ont dans les paquets cadeaux, je pense qu'ils en ont sorti une vingtaine, il l'est dans une petite boîte. Moi, c'est sûr, je vais en acheter au moins deux, une pour moi, puis une pour offrir un cadeau. Fait que. Sans avoir à faire venir de Londres, vous pouvez acheter la petite boîte au Québec. Il est dans une des petites boîtes. Je ne sais pas par cœur le nom, mais je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a le petit savon en forme de glacier. Tu as le Lord of Misrule Shower Cream. Puis, vous avez le Body Lotion, ben, le revitalisant corporel, dans le fond, Christingle, le jardin de givre. C'est une boîte, justement, qui fait plus monsieur parce que ça. Cette odeur-là, de Miss Rose, c'est assez. Moi, je l'aime, mais tu sais, les gars l'aiment en général parce que c'est plus une odeur masculine. Et j'ai eu le R&B Air Moisturizer. C'est mon troisième échantillon. Toutes les fois qu'on va dans les loges boutiques, les filles nous donnent ça. Ça, là, c'est magique. Je pense que je vais justement m'en mettre, là. Ça sent tellement bon, là. Ça sent l'eau de fleur d'oranger. Si vous aimez le revitalisant Happy Joy Joy, en français, c'est Enchantement. Nous, on l'aime parce que, ben, mon conjoint surtout, il l'aime parce qu'il a vraiment la très grosse bouteille. Puis, on a tout le temps plein de petites bouteilles quand on va en voyage, on traîne ça. Puis, cette odeur-là, c'est surtout ce qu'il aime, c'est qu'elle reste dans les cheveux. Des fois, ça fait 3 jours qu'il s'est lavé les cheveux. Puis, moi, j'ai dit, tu viens-tu juste à te laver les cheveux? Il dit, non, ça fait déjà 3 jours. L'odeur, elle reste, fait que tes cheveux sentent tout le temps le frais lavé. Puis ça sent, il ben faut que tu l'aimes. C'est une odeur jasmin puis eau de fleur d'oranger. Puis le R&B Air Moisturizer, il y a la même odeur. Fait que si vous aimez ça, go for it, achetez-les. À un moment donné, je vais finir toutes mes échantillons, je vais sûrement en racheter, mais ça, je dis, c'est mon troisième pot. Puis je le garde parce que, même si c'est mon troisième, je le garde parce que je l'aime vraiment. Puis ça sent bon. Là, dans mon deuxième paquet, je vais toutes les sortir. J'avais commandé. Le Lush Lab de le mois d'avant, avant qu'ils sortent les pains shampoings, tu sais, des fois ils s'entrecroisent, des fois ils restent un peu du mois d'avant puis ils sortent les nouveaux. Fait que moi j'ai comme commandé dans le début des premières journées que les pains shampoings sont sortis, mais il restait encore quelques produits de l'autre mois. Fait que c'est sûr, j'ai pas les premiers choix, j'ai pris les ceux qui restent, mais je suis contente pareil. Je vais vous montrer ça. C'est j'ai 4 crèmes pour le corps. Où ce que je suis déçue là-dedans, c'est qu'il y avait sorti les shower gels qui vont avec. Cet été, j'étais en vacances. J'ai pas pris le temps de faire de commandes parce que je voulais être là quand ça arriverait. Whatever. Quand je suis venue de vacances, il était tout BO, les shower gels. Le monde, là, se sont garrochés dessus comme ça n'a pas de sens, comme ça a la misère du monde. Fait que les 4 crèmes que j'ai réussi à avoir, c'est ceux-là. Je vais les montrer pour que tout le monde les voit. Ça, c'est les 4 que j'ai eus. Puis, toutes eux ont un shower gel qui vont avec. Fait que, j'en voulais montrer une par une. Ça, c'est Sultana. Ça, présentement, c'est celle-là que j'utilise. Que je me suis. Un matin, j'ai eu le shower gel justement qui va avec. Sultana, fait que c'est un shower gel blanc qui sent comme le savon Sultana. J'ai la crème pour le corps.
le body lotion comme ça. D'après ma base, pas une odeur, je capotais, là, mais depuis que je me lave avec, là, je l'aime vraiment gros. Là, c'est souvent ça, je dois dire. Des fois, tu le sens, puis ça te fait pas tant capoter, mais c'est quand tu l'utilises que vraiment, on dirait qu'il se passe de quoi. Fait que j'ai eu American Cream. Ça, American Cream, c'est un autre que j'ai eu Shower Gel, justement. Ça, c'est encore la même histoire. Shower Gel, j'ai commandé à la fin du mois, fait qu'il restait plus rien. Et j'ai juste eu American Cream sur le Tana. Fait que là, je suis contente. Au moins, j'ai les deux crèmes qui vont avec. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle a l'air en dedans. Elle est un peu rosée. Dans la vidéo, ça paraît pas tant, mais c'est un petit beige rose. Puis ça, c'est la même odeur que le shampoing, le Revitalizant American Cream et le pain shampoing Soak and Float. En français, c'est je sais pas quoi, paillette, en tout cas. C'est un pain shampoing, je pense, pour les cuirs chevelus. Moi, je l'ai rien qu'acheté vraiment parce que c'est la même odeur que American Cream. Fait que là, j'ai le pain shampoing, le Revitalizant, j'ai le shower gel et le body lotion. Fait que au moins, ça, je suis contente. Je les ai toutes. Sultana, dans le fond, moi, il me manquait rien que le savon, mais c'est pas bien grave, j'ai le shower gel. Puis Sultana aussi, il y a à l'Halloween le petit pain moussant, le petit minou noir, là. Ben c'est la même odeur. Hier, j'ai pris mon bain avec le minou noir, puis c'est la même odeur. Fait que là, je vais faire comme Noni à Wash the Kids. Noni à Wash the Kids, c'est l'odeur de It's Raining Men, le shower gel au miel. Ça, c'est pas un shower gel spécial qu'ils ont sorti. On l'a tout le temps à l'année longue. Vous voyez, c'est comme un jaune jaune pastel, mais un petit peu vert. Ça, ça sent le miel, mais le truc là-dedans, c'est que c'est vegan. C'est pas fait avec du vrai miel. C'est fait avec du noni. Le noni, c'est un fruit qui pousse. Ça fait plein de voyages que je fais en Amérique du Sud. Ben, en Amérique centrale, plus, c'est du moringa. Morinda. En tout cas, c'est un fruit qui pousse. La dernière fois, j'étais allée au Costa Rica, il y en avait. Je pense qu'il doit en avoir un petit peu partout. C'est un fruit qui pue, super gros. Puis eux autres, ils servent de ça pour faire des concoctions médicinales. Tu peux pas manger. En tout cas, Ça sent vraiment pas bon, là. Il y a un guide qui nous en a fait sentir, ça sent le vieux fromage. Mais ça a l'air que ça a des super belles vertus. Puis eux, je suis contente parce que là, ils font plein de... Ils trouvent tout le temps les ingrédients spéciaux. Ils ont une crème de moringa. Quand je suis allée en République dominicaine, la moringa, les autres, ils ne vivent que pour ça. C'est leur arbre magique. Présentement, justement, je suis en train de boire un thé de moringa. On voit la tailleur ici, ma grosse tasse, là. J'ai du moringa dedans en feuille que j'ai ramené de République. Pour eux, là, c'est quasiment une vitamine centrum. Là. T'sais, un petit pot de moringa comme ça, là, une boule à thé que je remplis, mais t'sais, c'est comme 4 fois de banane en potassium, c'est 4 carottes en vitamine A. C'est vraiment là. Je ferai une vidéo à un moment donné peut-être là-dessus sur le moringa. Puis ça goûte quand même bon. Les autres, ils consomment avec du miel. Fait que je suis contente. Quand j'ai vu que là, j'en fais une crème à moringa, je suis calline. J'ai dit, ils font beaucoup de recherches. Parce qu'ils vont chercher des affaires comme vraiment loin. Quand j'ai vu le noni et tout, j'ai fait « my God », ça aussi, j'ai vu ça dans le sud. Fait que je suis assez contente parce que ça reste dans leur « minding », dans leur « spirit » de « on est végé, vegan ». Fait que là, on prend pas de vrai miel, ils prennent le noni puis l'odeur est à s'y méprendre. J'ai vraiment hâte de l'essayer parce que moi, Honey à Wash the Kid, c'est vraiment une gamme que je capote. J'adore ces odeurs-là. Fait que l'autre crème que j'ai, c'est Avocado No Wash. Ils ont un pain qui est shampoing revitalisant. C'est comme un 2-en-1. Quand tu vas en boutique, ça a l'air d'un gros Babybel. Là. C'est comme, on dirait qu'il y a une grosse cire rouge sur le dessus, puis il coupe en tranches, puis en dedans, c'est vert. Moi, je ne l'ai pas essayé encore. Je me le promets, un jour, je vais m'en acheter. Je pense que je vais plus l'utiliser comme revitalisant. Parce que la fille, la vendeuse là-bas, elle m'avait déjà dit que c'est quasiment 3/4 de revitalisant pour un corps shampoo. Fait que je vais peut-être me faire un shampoo léger, mettons, un petit shampoing justement soft. Puis après, je vais utiliser mon Avocado No Wash pour mon revitalisant. Puis, quand ils ont sorti les shower gel en édition limitée cet été, ils l'avaient Avocado No Wash. Je l'ai raté, fait que j'ai pas le shower gel qui va avec. Mais c'est pas grave, j'ai la crème. Moi, j'ai ramassé ça. Je pensais qu'elle était verte un peu, mais comme brune. La couleur a l'air vraiment d'un avocat qui a bruni, mais c'est pas grave. Ben, elle sent super bonne. Ça doit ressembler tout à l'odeur d'avobat.
Je trouve que ça y ressemble, mais c'est plus sucré. Elle a une odeur plus sucrée, moins de citron. Fait que ça, je suis contente. C'est sûr qu'il a fait que c'était cher dans ma commande d'un, son pesant. Et il était tout 14,95 livres sterling. American Cream, il était 15,95. Puis si tu convertis en canadien, là, des livres sterling, c'est quasiment un pour deux. Fait que c'est 14,95, mais c'est quasiment 30 $ canadiens. Mettons peut-être 28, là. Mais c'est ça qui a fait que ma commande était chère pour pas gros d'items. Là, dans ma dernière boîte, la seule affaire qui me reste, c'est que j'avais commandé deux bombes de bain Goddess. Fait que j'ai reçu la deuxième dans l'autre boîte. Et celle-là, je ne sais pas, je vais la garder ou je vais la donner en cadeau à quelqu'un, vu que c'est une bombe qu'on ne peut pas acheter au Québec. Puis, elle est en très excellent état. Cette sorte, mais cette recette-là est très, très dure. Fait que je suis contente. J'ai eu deux bombes en excellent état. Le goût, je suis moins contente, c'est ça. Je n'avais pas commandé ça. Puis là, je pense pas refaire de commande pour avoir les autres pains shampoings. Fait que je vais m'organiser avec lui. Mais au moins, tous mes produits sont arrivés. Sont arrivés en une semaine d'intervalle. Mais je les ai tous eus. Puis je les ai eus en bon état. Fait que je suis contente. Puis ça va conclure la vidéo. Fait que ça, je vous ai montré que ça a l'air quand on fait une commande Lush UK. Le délai de livraison est assez court. Fait que soyez pas étonnés, là, pensez pas que ça arrive, ça prend un mois, là. J'ai commandé le mercredi de l'Halloween. La semaine d'après, c'est arrivé dans la semaine, la première boîte. Genre, probablement à la fin de la semaine, là. J'ai pas été à la malle tous les jours, mais pour moi, c'était arrivé peut-être comme le mercredi d'après ou le jeudi. Puis, j'étais allée à la malle lundi. Lundi. Puis j'avais reçu la deuxième boîte. Fait que c'est comme été pour moi, il y a eu comme une journée, là, c'est parce que la fin de semaine a passé, mais il y a eu une journée entre les deux livraisons. Fait que ça, c'est tout un gros thumbs up pour ça. La livraison va super vite. Fait que ça conclut la vidéo. Si vous aimez ça, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Puis aussi, j'ai une super belle page Instagram. Quasiment trois quarts du temps, il y a des photos de Loche ou des mini vidéos, des trucs de Loche. Que si le monde qui aime Loche, mais allez voir ça, vous allez voir plein de belles photos. Fait que ma page Instagram, je vais mettre les commentaires en bas. Mais c'est Marie Lochie. Fait que merci beaucoup, gang, puis une bonne fin de journée.